qui ça c'est l'écho, mon papa, c'est un l'écho qui m'a la fin coupé, mais fin couvé Ali, fin maîtrisé devant Rasulullah. Jabir ذهبت اكشف عنه ان ديجن فرانكو من ولي على الديكوفير فيجي يا مو بابا فوكي مو جيت سو فيجي فنهاني قومي من ديجن فرانكو مو تريبي فين جامانو نا با بيزان على الديكوفير سو فيجي. Donc, nous trouvons là aussi comment sa papa là, les vinaient tuer, bah, coupe soleko, les devant Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, fin pouvait aller avec un drap, get l'amour, sa garçon là, pour ce papa, get l'amour, sa garçon là, Jabir radiallahu an, les peuples là, get figuier ce papa, mais ce tribu veut dire, ils n'ont pas besoin d'aller, parce qu'ils vont fin massacrer sa l'écho là, fin mutile sa l'écho. Là, un deuxième fois encore, l'in réoule alguet figi et ce papa et bana fin empêche li. Fa amara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa roufir. Le prophète fin ordonne pour qu'il lève les corps de Jabir pour de Abdullah pour l'enterrer. Fa sami'a sauta sa'ihatin. Et dans ce moment-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il entend la voix d'une madame qui peut pleurer et crier. Fa qal man hadihi. Il vient demander qui ça, madame qui peut pleurer là. Qal ibnatu amrin ou ukhtu amr. Ça c'est. Tivi de Amr, ou bien ben la fin dire sœur de Amr, mais dire soit poupou, ou bien sœur de Abdullah, falam al falima tabki, fama zalat il malaïka tu tudilluhu bi ajnihatiha hatta rufi'a. Le prophète qui fait aller peut pleurer, et qui ban ange peut toujours, fin toujours mettre l'île, fin toujours tal l'ombrase, de ce que les ailes Abdullah, ziska qui peut lève-li. Donc, get comment Abdullah, radiallahu anhu, papa de Jabir radiyallahu an li finina un grand grade auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala quand ban na fin tuili ban ange fin étal je te les éloli ziska ki fin anti ali. Donc tout ça l'a fait montrer nous ban sahaba radiyallahu anhum comment se tib an dimoun sincère dans din Allah subhanahu wa ta'ala, comment se tib an dimoun qui ne comprend din Allah rabbul alamin et je le pratique les Kouma Bizet, et c'est à la même, c'est dans sa façon là que je finis être honoré par une parole pareille depuis la bouche Moubarak Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous, qui veut dire nous visons suivre ban sahaba, c'est ban l'exemple pareil qui nous vise à tirer depuis le ban sahaba radiallahu anhum. Comment je fais une pratique, je fais l'islam avec sincérité dans tout aspect de la vie. Faudrait pas qu'il nous croit l'islam y avait un petit peu avec nos aqidah, avec pas les affaires bid'a, mais l'islam c'est un dîme complet et ça complet là nous tient depuis la vie ban sahaba. Je fais une pratique ça l'islam d'une meilleure façon. De la meilleure façon, je pratique les plus bien que nous. Alors, nous, l'exemple, c'est ban là. Nous, comment je fais pratique l'islam, nous copier des œufs. C'est dans sa façon là qu'il nous pourrait réussir dans nos deniers. Nous pour réussir dans élever nos enfants, nous pour réussir dans faire nos enfants venir meilleurs musulmans dans l'avenir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les donne nos hidayat et la compréhension et les faire nos meilleurs musulmans et les aide nous pour produire nos bons enfants comme les meilleurs musulmans dans l'avenir. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا تزو جابر رضي الله عنه إسوبابا رضي الله عنه نتروب أبقي العمود عبد الله جابر رضي الله عنه إن أولو بغل دي سوبابا إتو سالبي مونتري نوانكو كي سا غرسولا بوكي لبي أولو
parole de ce papa, faudrait qu'il vraiment, sa papa là, finit un grand l'estime pour sa papa là, et sa papa là, finit un grand place dans ce léqué. Et quand on trouve Jabir radiallahu an, l'étienne jeune, et nous compte très bien, la veille qui sa papa la poumou, il fin appel ce garçon Jabir, moué la dette, à qui me dette, et tu es na bansé, prends compte au bansé. Jabir ibn Abdillah radiallahu an, il dit, halaka abi wa taraka sab'a banatin. Mon papa, quand il finit mort, il finit quitte sept petites filles. Mais Jabir, il trouve-lui avec une responsabilité, alors, mon mari, avec une grande madame, veut dire une madame qui est assez dans l'âge, qui n'a pas une jeune fille. Faqala li Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tazawwajta ya Jabir. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les besoins de Jabir, Jabir, est-ce qu'il te fait marier? Qultu na'am, Jabir, oui, mon marié. Qal bikran am thayyiba. Le prophète Pédemani, est-ce qu'il te fait marier avec une jeune fille ou bien te fait marier avec une madame âgée, une grande madame? Qultu bal thayyiba. Jabir, non, mon marié avec une madame âgée. Donc, get sa garçon là, un jeune. Ce plaisir en tant qu'un jeune, c'est qu'il est marié avec une jeune fille. Mais quand il peut trouver une certaine responsabilité, il n'a pas fait, il préfère qu'être soumancé. Il préfère honorer aux paroles de ce papa. Il n'a pas fait qu'être sous plaisir, mais il fait qu'être sous responsabilité. Alors quand le prophète peut dire, est-ce qu'il te marie avec une jeune fille? Il dit, non, je me marie avec une madame qui est déjà à un certain âge. Le prophète dit, halla jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuk wa tudahikuha wa tudahikuk. Tu n'es pas capable de marier avec une jeune fille? Oh Jabir, tu n'es pas capable de marier avec une jeune fille? Tu ne peux pas dîner avec lui, tu ne peux pas dîner avec toi, tu ne peux faire rire, tu ne peux faire toi rire. Et ça peut montrer nous l'objectif mariage dans l'islam. L'objectif mariage dans l'islam, c'est pas qu'il nous la guère depuis grand matin jusqu'à tantôt. L'objectif là, mariage dans l'islam, c'est dans sa parole le prophète là. Tu pas tu capable de marier avec une jeune fille, tu vas pas badine en ligne, tu peux badine en toi, tu peux faire rire, tu peux faire toi rire. C'est dans sa façon là qu'un couple musulman vive. Et ben madame qui peut arriver à un certain âge, faudrait pas se comporter d'une façon comme si ça quitte chose là, il perd son importance. Mais et même qu'ils arrivent à un certain âge, un couple, ils ont badiné, ils ont trié, ça y est, une seule importance pour eux-mêmes et aussi dans élever leurs enfants. Et ça, c'est pas une erreur capitale qui beaucoup, ben madame, tu l'esprit fait. Quand Lili pega la guerre avec ce monsieur, ou bien Lili pega une petite discussion avec ce monsieur, Lili met bons enfants aussi là-dedans. Lili fait parler avec ce bons enfants, ou bien Lili cause mal pour papa là, avec sa bons enfants là. Et puis, il y a deux qui ça, Lili n'a pas de mauvais effet sur sa bons enfants là. Le prophète, quand il dit, il te pas capable de marier avec une jeune fille, je t'ai rajouté à la vie. Jabir répond, قُلْتُ لَهُ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ هَلَكْ وَتَرَكَسْ بَنَاتٍ. Mon papa, quand il mort, il quitte Banchifi, وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَجِئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ. Quand il finit mort, il quitte Banchifi, mon pan content qu'il m'a marié avec une madame qui lui même l'âge avec Banla. فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن. بيمو في الماي avec une madame qui peut guette ban là et elle peut mettre ze dans bon état, veut dire elle peut gagner, elle peut prendre ze compte et elle peut guette ban là bien. فقال بارك الله لك. Le prophète fin dit qu'Allah met bénédiction pour toi dans sa madame là. Donc tout ça l'a fait montrer nous comment les sahaba radiallahu anhum ze vivent l'islam, ze pratiquent l'islam. Et c'est qui est important pour nous dans le sujet qui nous fait traiter, c'est l'amour entre un papa et un garçon. L'amour entre un papa et un garçon, l'amour entre une petite fille et son maman, et aussi l'amour entre
et dans ce maman, un petit fille et ce papa, c'est quand on fait une gagne l'équerre ou garçon. On gagne l'équerre ou petit fille, c'est là, à partir là, qui on peut capable mettre l'islam dans lui. Les pour obéissant envers Allah, les pour obéissant envers eux-mêmes, les pour venir une source, le lien pour vous dans sa dunya là, et les pour venir une source, le lien pour vous dans l'akhirat. Combien de parents, quand ils font négligence en ce qui concerne sa responsabilité envers ses enfants, à Zodi, figuier l'inapéna pour m'enseigner la vie, figuier l'inapéna pour présenter. Dans la société, tout ça là c'est à cause qu'il finit de faire négligence. Alors nous qui peut faire ses faux pour pratiquer l'islam, faudrait pas nous négliger ça l'aspect là. N'a pas perdu les temps d'Amasjid une façon parler, d'en blaguer avec vos camarades et qui ou garçon ou n'a pas perdu les temps pour cause avec lui. Plutôt, on finit faire au pharaz, à le blaguer, à le badiner, à le causer avec vos enfants, à le badiner, à le blaguer avec vos enfants, ça dit pour et ou dans l'avenir, au lieu qu'il vous blague avec vos camarades, malgré qu'il y ait dans son importance, mais l'importance, badiner, gagner les cœurs aux enfants, lit beaucoup plus, surtout dans l'époque que nous devons vivre, une époque qui nous connaît très bien, comment les fins finir envahis par fitna, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les portes de nous pour nous errer, les pas attrape nous, pour ne pas le péché qu'il nous fait, Allah subhanahu wa ta'ala, les guide nous, les maintenir nous le chemin droit, Allah subhanahu wa ta'ala, les aide nous. Pour élever nos bons enfants, nos bons garçons, nos bons filles, dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala, pour être le meilleur musulman, Allah subhanahu wa ta'ala, lui donne une meilleure vie dans sa dunya là, lui donne l'amour d'un moment qu'il peut satisfaire avec nous et il relève nous le jour du qiyama ensemble avec Rasulullah et ce bon sahaba et il met nous dans jannah, dans une meilleure place. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.